Après un sentiment de déception devant les premiers chapitres d'Obi-Wan Kenobi, les fans semblent avoir retrouvé un nouvel espoir devant la série Star Wars avec la partie 5, qu'ils considèrent comme le meilleur épisode. Attention, spoiler, il est vivement conseillé d'avoir vu le cinquième épisode de la série Obi-Wan Kenobi, disponible sur Disney+, avant de poursuivre la lecture de cet article. Il aura fallu attendre l'avant-dernier épisode pour que les fans de Star Wars se mettent d'accord sur la série Obi-Wan Kenobi. Après plusieurs semaines de déception et de questionnement, les aficionados sont unanimes sur la partie 5 du show. Le cinquième épisode a été riche en rebondissements et en révélations mais aussi en flashbacks, qui ont répondu aux attentes des fans. On peut, en effet, voir une séquence du passé entre Obi-Wan, Ewan McGregor, et Anakin, Hayden Christensen, dans laquelle ils s'entraînent au sabre laser. On assiste également à des flashbacks de Reva, Moses Ingram, qui était une ancienne novice et qui a survécu à la nuit du massacre où l'ordre 66 a été lancé. Obi-Wan Kenobi, ces clins d'œil qu'il ne fallait pas manquer dans l'épisode 5, les fans ont retrouvé un nouvel espoir avec cette partie 5, qu'ils considèrent comme le meilleur épisode de la série et qui redouble leur impatience de découvrir l'Ultime Chapter de la série Star Wars, qui sera disponible le 22 juin sur Disney+.